Et oui, après en avoir terminé avec Opération Wolf, on ne vous laisse pas de répit. Vous devez donc reprendre les armes dans cette suite du jeu iconique de Taito. Et dans cette vidéo, on va donc revenir sur la version arcade et les nouveautés par rapport à Opération Wolf. Puis nous allons enchaîner sur les conversions de l'époque avant de terminer par l'indispensable revue de presse. Allez, mettez-vous en tenue de combat l'opération Thunderbolt démarre juste après le générique. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo sur Opération Wolf, je vous invite à le faire, je mettrai le lien juste au-dessus. Et étant donné l'énorme succès de ce premier opus, il est donc tout à fait logique que Taito ait décidé d'enchaîner sur une suite. Dénommée Opération Thunderbolt, celle-ci va donc sortir dans les salles d'arcade dès le mois de septembre 1988, soit moins d'un an après la sortie d'Opération Wolf. Ils vont donc reprendre ici le même principe, mais en l'améliorant sur plusieurs points. Et la principale amélioration consiste à pouvoir jouer à deux en coop, avec donc un deux-gun installé côte à côte sur la bande d'arcade. Notez également dans le jeu un scrolling en pseudo 3D assez impressionnant, associé à des scrollings horizontaux. Le jeu contient 8 niveaux différents et le héros du premier, Roy Adams, reprend du service, mais cette fois-ci accompagné par un autre béret vert, Hardy Jones. Leur but est de sauver des otages américains d'un détournement d'avion. Et d'ailleurs, le scénario est vaguement inspiré d'un fait réel qui s'est déroulé en 1976 et dont le nom était Opération Thunderbolt. Et un film du même nom est même sorti hein, l'année suivante. Le jeu sera une fois de plus un véritable carton en arcade et donc une adaptation va vite suivre sur les machines de l'époque. Et comme pour Opération Wolf, eh c'est Océan qui allait en récupérer les droits. À ce moment-là, hein, tout ne va pas se passer comme prévu. Car oui, ils vont donner le projet à un tout nouveau programmeur junior et la monumentale erreur car malgré le fait que paul hughes un as du code chez Océan, lui montre comment faire différentes routines eh bien le projet n'avance tout simplement pas et en voyant la deadline s'approcher ils vont décider de tout reprendre en main faisant appel à une équipe interne de vétérans pour essayer de sortir le jeu dans les temps et en quelques semaines eh bien ils allaient réussir à terminer ce jeu mais comme l'affirme paul hughes le plus gros challenge a été de faire le jeu en un si petit laps de temps ce n'était pas un mauvais petit jeu, mais il paraissait fait à la va vite et c'était vraiment le cas. Mais malgré les craintes de Paul, le jeu sera extrêmement bien reçu par la presse, comme nous le verrons par la suite. Et les conversions habituelles sortiront donc pour les ordinateurs 8 et 16 bits. Et commençons par les versions 8 bits avec le ZX Spectrum, qui commence en habitude, se part d'une robe monochrome rendant l'action frénétique forcément un petit peu confuse. Mais pour le reste, la réalisation reste bonne. La version pour le Commodore 64 est pour ma part assez terne, mais a le mérite de rester très lisible, ce qui est ici l'essentiel, notamment dans le feu de l'action. Et enfin la troisième et dernière version pour 8 bits, à savoir la version pour Amstrad CPC, et je trouve un vraiment très très joli, très bien réussi, avec une belle réalisation. Mais j'avoue, ils ont voulu en mettre tellement à l'écran que l'action devient vite quand même assez illisible. Et pour en terminer avec ces trois versions pour 8 bits, eh il faut savoir qu'elles ont comme point commun de devoir utiliser le joystick. Et forcément, c'était très difficile niveau gameplay pour un jeu censé être joué avec un gun. Les deux versions pour 16 bits, Amiga et Atari ST, sont-elles très réussies avec d'excellents graphismes On reste ici hein, sur le même niveau de réalisation et de qualité que pour Opération Wolf. Version pour la console gs 4000 d'Amstrad sortira en 1990. Alors, très peu de nouveautés par rapport à la version de base, ainsi hein, ce n'est un HUD entièrement redesigné et quelques changements au niveau de la palette des couleurs du jeu. Pour le reste, hein, c'était peu ou prou le même jeu. A noter enfin une toute dernière version qui sortirait bien plus tard, à savoir en 1994. Il s'agit ici de la version pour la Super Nintendo, éditée directement par Taito, mais qui, à ma connaissance, ne sortira jamais en Europe. Une version plutôt bien réussie qui aura la particularité de pouvoir se jouer au pad, au super scope, le fameux bazooka like de Nintendo, ou bien encore, et là c'était assez rare, à la fameuse souris de Nintendo. Et voilà donc pour l'ensemble des conversions de ce jeu. Il faut savoir que le succès aidant, un troisième épisode d'Opération Wolf sortira en arcade, mais ceci est une autre histoire. Allez, passons maintenant à la revue de presse de l'époque. Et on commence cette revue de presse avec le test de la version arcade dans Génération 4 numéro 10 d'avril 89. Oui, car il faut savoir quelle l'époque, Génération 4 possédait une rubrique arcade où il testait donc les derniers titres. Ici, donc, il mettait 9 sur 10 à Opération Thunderbolt. Opération Thunderbolt est aussi beau qu'Opération Wolf il est aussi prenant à jouer, voire plus lorsqu'on y joue à deux propose plus de variétés et fera sans problème un carton dans les arcades. Et d'après vous, qui a bien pu racheter les droits du jeu pour en faire une adaptation pour Noël prochain. Non, vous ne le voyez pas Pourtant. Voilà donc, hein, c'était Océan qui était déjà sur les rails pour l'adaptation d'opération Thunderbolt. Et on continue avec cette fois-ci le test des versions 16 bits, à savoir Amiga et Atari ST, dans Junior 104 numéro 18. Donc on voit ici un note d'intérêt de 82%, graphisme 94, animation 91 et 179. Il reçoit donc un Gen Hit et non pas un Gen Dor. Et donc je vais vous lire l'avis de Stéphane Lavoisard qui explique pourquoi ils ont mis un Gen Hit et non pas un Gen Dor. Voilà une adaptation des plus réussies, puisque certains dessins et certaines phases de jeu sont mieux faits que dans la version arcade. On retrouve tous les tableaux de l'original, tous les sprites, les sont bref, toute l'ambiance de cette suite d'Opération Wolf. Les phases en 3D sont vraiment très bien faites et le jeu plaira à coup sûr à tous les amateurs du genre. Alors pourquoi un hit seulement Parce qu'après Opération Wolf, Thunderbolt nous paraît tout de même un peu trop répétitif, même si le fait de jouer à deux à la fois apporte quelque chose au jeu. Voilà donc un pour le test dans Génération 4. On continue avec cette fois-ci le test dans le joystick numéro 1, oui, de janvier 90. Un test sur Amiga et CPC. Alors sur Amiga, ils mettent 89%. Opération Thunderbolt est bien le digne successeur de Wolf. Les graphismes, quoique légèrement inférieurs à son homologue, sont dans l'ensemble de très bonne qualité et surtout très fidèles à la version arcade. Les animations sont toujours aussi réussies, permettant ainsi de plonger le joueur dans une folie destructrice efficace. Au niveau du son, celui-ci est directement issu de sources digitalisées. Le résultat est du plus bel effet. Bref, la version Amiga de ce best-seller d'arcade est une réussite complète. Et maintenant, regardons la version CPC qui possède, elle, une note de 80%, donc légèrement inférieure. Passons sur l'aspect haineux du soft, à vouloir en faire beaucoup, aussi on en a fait trop. Les sprites se pressent au portillon, à tel point que parfois on cherche le curseur perdu dans la mêlée. Pendant ce temps, les japonais travaillent, les terroristes cartonnent, le bruitage qui aurait pu être grondant, étonnant, se réduit à un concert de couinement qui frise le ridicule. Le premier tableau ressemble à un circuit de course, peut-être à cause du dessin de la route. Le graphisme du soft reprend celui d'Opération Wolf, avec ses gros sprites qui s'étalent par terre une fois touchés. Au second tableau, l'ennemi balance des grenades grosses comme des ballons de rugby, qui explosent quasiment contre l'écran. Terrifiant. En retour, on pourra toujours faire le vide à la roquette. Le massacre systématique est cependant trop facile et engendre rapidement l'ennui. Heureusement qu'il faut veiller à piquer munitions et bouteilles d'énergie. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas le but du jeu, les terroristes n'étant là que pour faire diversion. Voilà donc pour le test dans Joystick. Et on continue avec cette fois-ci le test dans le mythique MicroNews de janvier 90, où il reçoit donc ici hein, le top du mois. Pourtant, c'était un test sur euh, moins qu'une moitié de page, on va dire. À travers huit niveaux de jeux différents, vous allez tenter de libérer les passagers d'un avion détourné vers le Moyen-Orient par des terroristes. Que ce soit un ou deux joueurs, vous devrez traverser un dépôt de munitions, atteindre le QG ennemi, emprunter une jeep, un bateau, le tout bien entendu sous le feu nourri de l'ennemi. Si vous survivez jusque-là, vous parviendrez enfin à bord de l'avion pour une ultime confrontation avec l'astucieux chef des terroristes ému de MacGyver, qui n'hésite pas à utiliser le pilote de l'avion comme gilet pare-balles. Ici, la tension est à son comble. Si vous ratez le terroriste, lui ne vous ratera pas. Et si vous tuez le pilote, vous êtes bon pour quelques années de vacances forcées dans ce charmant pays, la population si accueillante, à moins de savoir piloter un DC10 dur dur dur. Voilà donc un test signé ML, hein. donc c'était Marc Lacombe, à savoir notre Marcus National. Voilà donc pour le test dans Micronews. Et enfin on termine cette revue de presse avec le test dans le titre numéro 75 de février 90, un test effectué par Alain Huiglacourt. Opération Thunderbolt est un jeu de tir très excitant qui mettra vos réflexes à rude épreuve. Mais je ne saurais trop vous conseiller de jouer à deux si vous ne voulez pas risquer une dépression nerveuse. Voilà donc un pour le test de la version Amiga avec intérêt 16, graphisme 6, animation 5 et bruitage 5. Pour la version CPC, c'est euh, les mêmes notes, euh, quasiment. Euh, la version CPC est également très réussie. Le graphisme est excellent et l'animation très satisfaisante. Toutefois, c'est un jeu difficile, d'autant plus que le joystick est bien moins efficace qu'une souris dans ce type de jeu. Et là j'avoue, je suis à 100% d'accord avec lui. Il y a également deux avis un petit peu euh, voilà contraires, donc je vais dire le premier. Avis. Quelle déception. J'adore la version arcade d'opération Thunderbolt. Je ne retrouve absolument pas le même plaisir de jeu sur micro. Tirer avec une souris n'est pas très convaincant. En outre, le scrolling des séquences en 3D est saccadé. Je serais étonné de voir un vrai fanat de la version arcade se contenter d'une pâle copie de l'original. Compte tenu de la puissance de nos machines, certaines conversions sont à éviter. Je n'achète pas. Voilà, c'était signé Diabolic Buster. Il y a un avion de soins de Acidric Bristou qui pense la même chose. Voilà donc pour cette revue de presse. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur Opération Thunderbolt, la suite du mythique Opération Wolf. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et franchement, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.